the European Under 21 Championship Rugby 23 qualifying round. Ouais, c'est pas mal avec une bonne détente. Ballon qui manquait peut-être d'un brin de puissance hein, pour tromper le gardien. Ouais, je l'ai rarement vu frapper ses coups francs comme ça, Box Caron. C'est ça le ballon. Hein. De Winter. Attention à la prise de risque. Oh là 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 là, avec la sortie de Van de Voort qui est là pour couvrir. L'erreur de Conny de Winter. Méfiance, pas tomber dans la suffisance. Non, mais il provoque ça aussi, hein, parce que le Vic, là, sur son pressing, ouais, on est trop. En plus, la donner de l'extérieur du pied comme ça, ça c'est dans le petit manuel du défenseur, c'est interdit. Il ne doit pas faire ça. Et de Winter, attention, c'était pas propre ça comme sortie de défense. Avec le Danemark qui se projette, il y a hors-jeu, me semble-t-il. Ça va pas au fond de toute façon. Ah, il n'y a pas hors-jeu. Ben ça, je ne sais pas ce qu'on va en penser, Alex, mais bah, c'est surprenant hein, quand même. J'avais l'impression que oui, mais sans être non plus tout à fait catégorique, Quentin. Il y a un moment de la passe, mais selon moi, il avait l'air de l'être. Box Caron. Derrière ce corner, ouais, c'était pas si mal donné avec Théâtre qui avait plongé au premier. Matazzo, ça va revenir. Sike qui plonge dans l'espace. Box Caron avec Hugo Sike. Revient derrière Matazzo. Qui centre. Ah, c'est pas mal du tout ce ballon avec Théâtre devancé dans le duel de la tête par Hansner. Théâtre encore. Oh, c'est pas mal joué. Super. Le but superbe. Magnifique but de la part de la Belgique avec Théâtre à la 6 et Openda à la finition. Magnifique. Quelle action, Alex. Magnifique, magnifique. Magnifique, là. On voit la passe de Théâtre précédemment qu'il rate. Et celle-ci, qui est quand même nettement plus difficile à réaliser. Hein, parce que l'extérieur du pied est aussi bien dosé. Mais tout le travail d'Openda aussi est à faire remarquer. C'était magnifique. On a eu l'impression sur tout ce corner hein, finalement Alex que le Danemark n'était pas totalement bien installé dans ses pompes. Non mais là il y a vraiment un côté très imprévisible dans ce que va faire Théâtre hein, aussi sur le 1-2. Ah, il faut la mettre hein, Quentin. Ouais, ouais. Et après la mettre encore. Openda, bon travail défensif, très bien de la part des Belges, Matazzo. Matazzo qui avance, qui sort de position, Box Caron avec le ballon en retrait, Openda, ouais c'est bien brossé, c'est repoussé difficilement d'ailleurs par Jorgensen. Et là on sent que les Danois sont un petit peu dans les corps après le but encaissé. Matazzo kan trappen misschien, waarom is het niet? Nou ja, Jurgensen, een stop in twee tijden. Het balletje van Kana, die zich beter voelt op het middenveld vandaag dan achterin. Daar is Openda! Ja, ik zag hem er al in. Ik dacht zo, als die op doel trapt, die vliegen er allemaal in tegenwoordig, maar deze dus niet. Laat over. Oh nee, toch nog eens. Hij zelf een. Kijk eens aan. Toch nog gevaarlijk. De kopbal van Narti. Ja, dat hebben we nog nooit gezien. Hè. Twee molentjes. 1, 2, 3. En wij toch wel inderdaad staan stil. De rest komt dan aangelopen. Uri. Schijnbeweging. Terug bij Sike. Hij krijgt op zijn linker. Achter een steunbeen. Zarouri eerst met de sleep en dan uiteindelijk Sike met de voorzet waar hij zo'n patent op heeft. Ja.
De Winter moet komen en daar is Lindström. Uitstekende kans voor de man van Eintracht Frankfurt. Maar hij benut ze niet. Toch wel de betere man bij de Denen. Die spelen. Te makkelijk balverlies daar weer. Runback en nog gekopt, maar meteen ook een duwfout gefloten. Ja, kon koppen, maar de Winter zat er ook nog wel tussen. Goed dat hij er was en nu wordt er afgefloten.